Allo tout le monde, voici Champion MMC. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cette vidéo, puis c'est une nouvelle série aussi, parce que ça va être un jeu à long terme. Ouais, moi avec les jeux à long terme, ça c'est bien moi. Bon, mais ce jeu-là, c'est un jeu différent de tous les autres jeux sur ma chaîne. Et pourquoi? Pourquoi c'est aussi différent? Parce que c'est un jeu de gestion. Un jeu de gestion de transport. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, on peut voir des trains, des véhicules. Bah, ça c'est un train, des véhicules. Ça c'est un autobus, ça c'est un camion quelconque. On peut voir, ça c'est un train. Ça c'est les rails normales. Il y a des rails. Ça c'est des rails électrifiés. Ça c'est une autre affaire dont je ne sais plus. Non, j'ai de la misère avec son nom. Puis aussi, il existe aussi des monorails. En gros, ça serait plus. Je vais commencer un scénario. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Ici, il y a quatre types de modes. Le mode tempéré, le mode arctique, le mode tropical et le mode jouet. Moi, je vais aller avec le mode tempéré. À un moment donné, j'aurais peut-être là-dessus. Peut-être. Bon, ici, on peut toujours charger une partie. Je vais jouer une carte d'altitude. Mode multijoueur dessus. On peut toujours faire un scénario. Ou jouer un scénario qu'on a édité nous-mêmes quand c'est édité. Ici, on va aller à option. Nom des villes. Par défaut, il est anglais. Originaux. Mais. Si vous voulez changer le nom des villes, c'est tout de suite. Là, je le mets en français. C'est maintenant. Parce que vous ne pouvez plus le changer une fois la partie débutée. Langue en français. Moi, je l'ai par défaut parce que c'est un jeu en français. Dollar. Par défaut, il est en livre. Par défaut. Mais il faut juste le changer sur dollar. Mais vous pouvez ne pas le changer directement là. Vous pouvez le changer. Ou c'est en cours de partie. Mais je sais pas si ça c'est plus puissant. Si on change ça, peut-être ça change pour toutes et pour toutes les parties en tout temps. Véhicule routier. Vous avez le choix soit de faire conduite à droite ou à gauche. À l'anglaise ou à la normale. Les sauvegardes automatiques, tous les mois. Vous pouvez le désactiver, le faire aux 6 mois ou aux années, si vous décidez. Résolution. Selon votre écran, là. Vous jouez à une petite résolution ou non. Taille d'interface normale, dos ou quadruple. Je vous conseille de rester là parce que je vais vous montrer. Ça donne ceci. Ouais, on va laisser ça même. Wow, mon dieu. Mais il faut que ça donne. On peut voir. Là, on va faire une nouvelle partie. Comme on peut voir, on a le choix. Ça, c'est l'alternance d'enneigement. Ah, c'est ça. L'alternance de par jour d'enneigement. Ah non, c'est l'attitude d'enneigement. À partir de quelle attitude que de la neige. Qui est bien le seul. Ici, qu'est-ce que vous avez? C'est la taille de la carte. Moi, je le laissais en... je vais aller en... Je sais pas, honnêtement. J'ai goût d'aller avec le plus gros. Mais en vidéo, au pire, je referai une nouvelle vidéo. On va aller en 512. Par 512. Générateur. Terrain glace. Ça, je sais pas trop c'est quoi la différence. Le nombre de villes. Vous avez le choix d'un nombre de villes très bas, normal, et fait ou personnalisé. Personnalisé, vous choisissez simplement le nombre. Que vous voulez. Moi, je vais le laisser normal. Type de terrain. Vous pouvez faire ce plat, plat, collinaire, montagneux ou alpin. Moi, je vais laisser un très plat parce qu'on ne tombe pas gosser avec ça. Pour l'instant. Variété de distribution. Moi, je vais laisser élevé. Ni distribution, je ne suis pas sûr qu'est-ce que c'est. Niveau de la mer. Moi, je laisse très bas. C'est le niveau de la mer.
ajoute des arbres, améliorer, je vais aller avec original. Voir c'est quoi la différence. Bord de la carte, soit manuel ou aléatoire. C'est le bord de la carte. Altitude maximum, vous pouvez avoir l'altitude maximum. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus haut. Ah, je comprends pourquoi que... Je viens de comprendre de quoi. Ici, vous avez l'année. Moi, je veux commencer par défaut. Il est en 1950. Alors, nous allons commencer en 1950 avec les trains à vapeur. C'est ça qu'on commence avec ça. Lissage, moi je le Strelius. Nombre de rivières, peu. Je vais aller avec peu ou pire, on fera une autre du tout. Dans le pire des cas. Plutôt une vidéo, un tutoriel. Un peu, mais pas nécessairement. Oh, une grande map. D'accord. Ici, comment ça fonctionne? Bon, je pense finalement, ça c'est pas si pire. C'est trop ça. C'est juste ça, c'est gros. Je suis habitué à être plus petit. Comment ça fonctionne ceci? Pause, accélérer. Ici, c'est les paramètres. Comme vous pouvez voir, on peut toujours. C'est ce que ça donne. Si vous avez en l'air, vous pouvez changer. Étant d'alors par défaut, là j'ai tout mis ça par défaut. Ça changera pas. Sinon vous avez les paramètres. Ici vous pouvez afficher les noms de villes, noms, ça c'est d'autres paramètres. Ici les options de sauvegarde, sauvegarder la partie, charge une partie, abandonner une partie. Ça c'est celui que j'ai. Qui est quand même un test. Ici vous avez la carte. C'est ce que ça a l'air. Tous les noms de villes. Fait exemple avec les usines, toutes les usines que vous voulez. Oh, il y a une raffinerie. Il y en a pas mal de toutes. Vous savez, dans la map que j'ai, il y a juste une raffinerie. Ah, mon dieu. Ici, vous avez toutes les villes au grand complet. Population. Voilà. Le plus grand au monde est celui-là. Qui est pratiquement sur une bordure de. On va développer 7 villes. Oh, une scierie en plus. Ici, vous avez toutes les subventions. Vous avez les nombres, les stations. Ce que vous avez. Ici, c'est le budget. En ce moment, nous avons on a un droit à l'emprunt de 600 000 $, mais 200 000 que vous avez par défaut. Que l'emprunter au complet si vous voulez. Après 10 ans, vous avez 100 000 d'emprunt supplémentaire. Après ça, à chaque 5 ans, vous pouvez augmenter. Ça va être plutôt la vidéo 0. La première vidéo, ça va être un autre, on va mettre du défi, puis on va s'amuser. Ça va être plus explicatif en ce moment. On va le recommencer au complet. Je ne sauvegarderai pas cette partie-là. Bon, on est de retour. J'ai dû couper parce que je me suis fait déranger. Ici, c'est nous, notre instruction et tout. Ça, c'est aléatoire. Je te dis, là. Je voulais changer. Voilà, ça fait ça. Une affaire plus personnalisée, mais pour moi est correct de même. On fait OK. Couleur, le mieux l'avoir bleu. Le nom du PNG, c'est nous. On sait c'est quoi mon nom, hein, je sais pas. Champion MMCL. PC. Nom de la société. Le ST champion MMCL. La société de transport champion MMCL. Bon, faut être correct quand même. Voilà. Nous sommes en 1950. Je vais mettre à pause.
parce qu'on perd de l'argent en même temps. Ça, si les jours continuent tout ça, puis en même temps, on perd de l'argent. Offre de subvention. Le premier service de passagers entre Grenoble et Bergerac sera subventionné pendant un an. Donc, quand je dis subvention, c'est ce que je veux dire. Avant le mai de 1951. Ensuite, voilà. On va retourner. Oh, il s'est fait dépasser. Tour. Albi. Je suis sûr de les voir en français. On va aller à Tour. Parce que on peut faire une affaire. On va retourner ici. Construire le siège. Moi, je décide de le mettre. Ok, c'est ça. Bon, une série. Donc, je vois qu'est-ce qu'il y a. Ça se fait que ce soit pas lui que je prends pour le siège social. Non, je vais prendre l'autre. Le premier que j'avais pris. Que, comme ça, la ville aura le temps de grossir encore plus. Bon, je construis le siège, ça vous construisez dans une ville que vous voulez. Ça se fait que je vais mettre les caractères plus petits. Pour que vous, pour au moins vous expliquer tout, je le laisse quand même, mais par la suite, ça se fait que je le mette plus petit. Possible. Ça, c'est le siège social. Et voilà. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas super. Vous devez absolument, faut pas que vous mettiez à bord si vous voulez construire. Ici, c'est d'autres affaires, donc j'ai jamais vraiment acheté la liste des objectifs, c'est-à-dire pas des objectifs, mais je sais pas comment en avoir ça. Puis ici, t'as acheté les livres d'histoire. Je sais pas comment se rendre là, trop. Peut-être débloquer au fil du temps, je sais pas. Ici. Classement des compagnies, détail des performances et meilleur score. Ça, c'est le meilleur score. On est la seule compagnie. C'est normal qu'on soit en premier. Profit d'opération 0. Ben non, t'es en bas. Revenu 0. Je viens de découvrir ça. Hein. Celle-là, je la savais, mais celle-là, je viens de découvrir. Cargaison livrée, on peut tout ça vraiment savoir en détail toutes les statistiques, valeur de la compagnie. On peut savoir aussi la valeur de la compagnie ici qui est à 2$. Pas très très rentable. Valeur des marchandises. Ah, ça c'est intéressant. C'est toutes les valeurs de chaque marchandise. Passager, c'est le moins payant. On s'entend. Courrier, pas super. Acier, ça vaut cher. Bétail, pas trop. Et bien, ah, ça vaut la peine, ça. Le bois, moyen. Céréales, bof. Charbon, quand même. Minerai de fer, quand même. Objet de valeur, ou mon dieu, ça vaut cher. Pétrole, c'est quand même pas pire, puis ça peut augmenter au fil du temps. Exemple, une cargaison de 10 000, à un moment donné, ça peut. On va dire 10 000, à un moment donné, ça va valoir 100 000. Je vous le dis par expérience. Ici, détail des performances. Véhicule 100. 0%, blablabla, détail des leviers sur de la performance de tout, station, profit minimum, revenu maximum,
livrée, cargo, argent, emprunt, total. Annulaire des industries, ce sont toutes les industries qui bloquent. Ça n'a pas de bon sens. Chaîne des industries, mine de fer, acierie à usine, tu vas à la maison, ferme, usine, à maison. Puis quand on parle de maison, on parle de ville. Financer une nouvelle industrie. Financer une nouvelle industrie. Assez banque centrale. On peut financer. Oh wow. Je découvre des choses en même temps quand je viens de commencer à. Pour recommencer à jouer ça depuis des années. Bon, peut-être des années, mais faisait un petit bout que j'avais déjà joué à ça. Sur tablette. Maintenant, j'ai redécouvert voir le jeu parce que ça me tentait de jouer. Puis je l'ai téléchargé à l'ordinateur qui est gratuit. Je vous dis tout de suite, c'est OpenTTD. C'est gratuit. Raffinerie pétrolière, ça c'est très intéressant. Ici, c'est tout voir vos véhicules. Tous vos trains, ici c'est les trains disponibles. Les locomotives, puis ça c'est les wagons. Je vous dis tout de suite, ça se peut qu'à un moment donné, vous regardez, comment ça arrive plus de locomotives? Inquiétez-vous pas, c'est normal. Ils vont réapparaître. À un moment donné, vous allez utiliser des rails. Vous allez dire, comment ça y a plus de... Pourquoi j'ai plus de locomotive, j'en ai besoin. Vous pouvez vous inquiéter, mais pas trop. Ça, c'est pour les trains, les véhicules, les bateaux, les avions. Ça, si vous voulez, mais si vous avez une roulette, vous pouvez faire la même affaire. Ici, vous avez les rails. Les routes, qu'est-ce qui est naval et aéronautique. Puis ici, c'est tout qu'est-ce qui est modification du paysage, plante des arbres et des panneaux. Arbres, tout est là, de toute façon. Bon. Ici, c'est le son. Ici, c'est le son de la musique. Ça, c'est les bruits environnants. Si vous voulez passer à la musique suivante, tout ça, il y a tout ça de musique. Je sais pas si on peut, je pense pas. On peut en mettre de la musique là-dedans, ça serait cool. Là, je le laisse parce que ça vous fait une ambiance, mais moi, honnêtement, je l'enlève. Puis ici, c'est les messages bulletins récents, tout ça. Puis historique des messages. Oh, il y en a quand même pas mal. Ici, c'est si vous avez besoin d'aide, outils d'inspection du paysage, acheter, cacher la console, blablabla, plein d'affaires, là. On sait tous comment ça fonctionne. Passons à la pratique. Sachez que, on va commencer routière, c'est toujours préférable que j'ai remarqué de commencer routière. Ceci, c'est un aire de chargement, très important si vous voulez. Vous voyez, vous pouvez la désactiver comme vous pouvez l'activer. Ça, c'est la zone. Si vous mettez ça, il détecte rien. Vous mettez là à proximité d'une forêt, comme ici la limite, ça vous est correct. Vous mettez ça là. Moi, je le mets là. Ensuite, j'en mets un autre de l'autre côté. Vous pouvez. Là, je me dis, j'ai pas mis ça à bonne place, je vais le mettre direct parce que ça me tombe. Vous cliquez ici. Vous allez ici dans l'appel. Vous l'enlevez. Ça peut rapporter quand c'est des rails, ça rapporte par contre. On va le mettre. Oups, ça, oubliez pas de le désactiver. Voilà. Ça, vous la sélection. Ça, c'est détruire aussi. Ça, vous n'avez pas le choix de détruire. Vous allez comprendre c'est quoi. Ça coûte de l'argent. Ça peut vous rapporter. Du moins, ça peut coûter moins d'argent. Vous avez le choix, soit de faire ça, la détection automatique. Si vous faites ça, ça va être automatique. Ou vous faites ça. Si vous voulez pas vous tromper, vous faites ça. Quand sinon, ça peut faire juste ça.
on va faire ça de même. Voilà. Ça, ça va être utile. Sachez que il y a des villes. Moi, je vais mettre celle-là. Quand vous construisez quelque chose, regardez comme il faut. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend du courrier et des biens. Ce qui veut dire, si vous amenez, exemple, des affaires de valeur, objets de valeur, ça, il acceptera pas ça. Il va juste accepter les courriers et les billets. Juste ça. Faites attention. Faire le marché, sinon. Ici, Albi, qui est là. Il aime pas trop ça. Auxerre, c'est où ça? Ah, ok. C'est là. Bon. Ceci, orientation du dépôt. Le dépôt est très important si vous voulez avoir des véhicules. C'est primordial. Nouveau véhicule. Moi, je vais le regarder comme ça, mais moi, honnêtement, vous pouvez tout simplement faire comme ceci. Un bois. Bon, ici, vous avez le prix, toutes les informations nécessaires. Là, ça va tout de suite vous ouvrir une fenêtre. Vous pouvez ouvrir bien les fenêtres. Ici, vous avez toutes les informations, les détails du véhicule. Combien, quel âge a, son coût, combien coûte en entretien, le pas, blablabla. Ça, c'est le profit, ce qu'on en regarde le plus. La fiabilité, c'est pas toujours fiable à regarder la fiabilité. Bon, c'est un jeu de mots, mais c'est pas toujours. Regardez pas toujours ça parce que ça peut être à zéro assez rapidement des fois. Regardez surtout l'âge. Ensuite, mais ça se fait pas de même. Vous voyez ça? Ça, c'est des ordres. Dans ce même, si on part de même, il vous rapportera rien. Puis, il faut vous sélectionner dans ce cas-ci, les aires de chargement. Il faut que vous les sélectionnez. Moi, ça, j'ai pas besoin d'aller là. Parce que, si vous voulez, vous pouvez aller au suivant. Clic droit pour vous déplacer. Droite, gauche, dans la souris. Clic gauche pour sélectionner. Si vous voulez, vous pouvez copier un véhicule. Moi, je le ferai pas. Si vous avez à remplacer, par contre, si c'est rouge, le chiffre, vous faites copier un véhicule, vous copiez l'itinéraire et tout. Sans problème. Vous pouvez faire, vous faites ça. Vous pouvez le faire ici aussi. Ici, c'est le renvoyer au dépôt, vous faire demi-tour. Des fois, il va dire, il n'y a pas de dépôt détecté. Vous faites demi-tour, puis vous le mettez là. Voyez ça, si vous voulez aller le voir. Emplacement, c'est l'emplacement du dépôt, ou renommer le dépôt, c'est à votre choix. Ça, c'est pour faire des ponts puis des tunnels. Là, nouveau véhicule, on va aller avec les biens parce qu'on va en avoir deux besoins. Itinéraire, allez, un. Là, je vous le montre, mais je vais mettre plus petit parce que c'est mieux. Plus facile à gérer, plus petit le graphisme. Et voilà, là il y a des annonces et tout, on s'en fout. Là, vu que la première fois faut y aller une fois, comme cela il est vide en ce moment, comme si vous voyez ici, il est vide. Faut y aller au moins une fois. Là, j'ai moins 46 000 de profit. La première fois, il va, puis il va détecter, ok, après ça, là, ça va produire. Ça, c'est ça. Le bien, la même affaire. Oui, la ville prend les biens. Là, chose essentielle. Ok, on va faire une ligne de tri. Pas le fun. Quelque chose qui se ferait bien. Donc, du charbon à une centrale, par exemple. Oui, charbon à centrale. Ça, c'est mine de charbon. Ça, c'est centrale électrique. On va faire voie ferrée. La station. Mais vous pouvez vraiment développer énormément. Vraiment, là.
en développer l'eau de route ferroviaire, il y en a qui font des circuits incroyables. Bon, j'ai fait une erreur, si vous voulez, vous avez fait une erreur, vous prenez ça et vous l'enlevez. Voilà, ça vous donne de l'argent. Parce que si. Mais celle-là, je la garde volontairement. Je suis. Comprendre pourquoi. De ici, il faut un entrepôt, absolument. Voilà. Ici, si vous voulez avoir plus qu'un train, vous devez avoir au moins minimum un peu deux voies. Comme ça, vous allez devoir utiliser ceci, puis vous allez pouvoir circuler à plus qu'un train. Sinon, c'est un train. C'est la même affaire, ça c'est automatique, ça c'est diagonale. Non, ça c'est droite. Ça c'est tour pour exemple tourner, là. Diagonale pour tourner. Là, le train. Nouveau véhicule, on va prendre le plus cher pour le fun. 45 000, 76 de fiabilité, 86 de fiabilité. Je vais aller avec le moins cher, mais le plus fiable. Mais il va moins vite. 54 km/h, 127. Bof. Vous devez tout acheter au complet. Là, c'est juste du charbon que j'ai besoin. Pour ça que moi. J'aime mieux faire ceci, charbon, wagon de charbon. Ok, ça va plus rapide, c'est plus rapide du coup. On va en prendre deux. De toute façon, c'est lent le train. On va le faire aller à. Puis aller à. Voilà. On peut faire ici. Cliquez pour arrêter tous les trains du dépôt. Cliquez pour démarrer tous les trains du dépôt. Si un véhicule dessus, c'est la même affaire. C'est ça. Là, une affaire que j'ai cherché pendant un certain temps. Là. En plus, tout était en anglais. Là. Au jeu, il n'y avait rien en français. C'est ce qui était plate. Là, vous avez des rails. Il existe 4 types de rails. Les chercher. Tenez, clic gauche. Vous avez la construction de voies ferrées électriques, construction de monorail et maglev. Ouais. Les chercher. Vous avez ça, convertir et améliorer. Vous cliquez là-dessus. Si vous allez exemple électrique, vous allez cliquer là-dessus, puis. Vous allez faire convertir et ça va convertir automatiquement. C'est ça. Puis vous pouvez faire des gros réseaux là, si vous voulez. Surtout le ferroviaire. Là. Vous pouvez faire des gros réseaux ferroviaires sans problème. Puis on peut voir. Bon, il est encore comme ça, mais ça c'est pas grave. Mon niveau est content d'avoir des billets. Le bois et 17 caisses de billets. On peut voir que l'année passée il a fait moins 70$, puis là il fait au-dessus de 1000$. Puis l'autre, on peut voir qu'il a fait moins 18$, maintenant il fait au-dessus de 1000$. Et vous pouvez voir aussi ici, c'est encore plus facile de gestion. Ici, le chiffre va être rouge quand il va falloir les changer. Je vous le dis tout de suite. Puis ça va de plus en. Après ça, il va être de plus en plus en panne. Même affaire pour les trains. Le train l'année passée il a fait 0, mais ça c'est normal. Il est en train de tout vider son chargement. Il a été une fois, il a fait une aller-retour. Une chance que c'est un court-circuit. On va enlever ça. Vous faites ça pour être sûr de pouvoir pogner toutes les rails. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Sinon, ça fonctionnera pas. Ça, c'est le même train vapeur. C'est les plus fiables, les moins vite. Ouais. Sachez que. Tâchez d'avoir au moins toujours un entrepôt sur la route. Toujours. Je vais vous dire la raison pourquoi.
Tout simplement parce que s'il a besoin de faire vérifier, réparer tout ça, il va aller tout de suite là, puis il tombera pas en panne parce qu'à un moment donné, il était même pas à moitié de sa durée de vie, puis il était à zéro fiabilité. Ça veut dire, faites-le rentrer dans le dépôt, il va revenir plus fiable, comme si il va être réparé, puis après ça, vous allez pouvoir le réutiliser sans problème. Puis même si un véhicule est neuf, il peut toujours tomber en panne. Quand il tombe en panne, c'est soit qu'on est dans quelque chose de même. Je peux pas faire le prix exactement. À date, il s'est fait 2000$. Mais c'est à peu près ça. Ici les villes, on peut voir aussi la population mondiale qui est à 57 000 habitants. Bah, lui, il fait le courrier. Est-ce que lui fait le courrier? On va savoir ça pour voir s'il accepte le courrier ou les enfants même. Oui, il accepte le courrier. Et lui, oups, c'est pas la bonne affaire. Il accepte le courrier et les biens. Ah, c'est bien ça. Voilà. On va construire les routes. Mais juste avant. 1, 2, 3. Minimum pour pouvoir faire un pont. Je vais prendre le plus cher comme le moins cher. Moi, je vais aller avec le moins cher. Honnêtement, je vais toujours avec le moins cher. On va aller là, ça va être plus rapide. Je vais juste relier chaque chaussée. Voilà. On va prendre courrier. Vous voyez, ça va beaucoup plus rapidement de même. Je vais chercher, ok, le courrier est où? Ça va beaucoup plus rapidement. Une fois que vous avez ça, vous pouvez l'enlever simplement. Là. Si vous n'avez pas besoin de faire autre chose. On va le faire aller à là. Pour aller à là. Et aller à là. Voilà, il va partir. Et ça va être tout pour aujourd'hui. C'est pas mal. C'est vraiment une vidéo tutoriel qui n'est pas un essai de jeu ou quoi que ce soit. C'est une vidéo pour partir la série. Ceci. Après ça, j'aurais dû prendre plus petit, mais c'est pas plus grave que ça. J'y ai pensé après. On s'entend. La prochaine vidéo. Oh, sachez qu'ici, ils peuvent même me contourner ici. Hein. ça dérange pas. Dans la prochaine vidéo, on commence pour vrai. Par contre, cette fois-ci, je vais peut-être finalement. Le mettre normal. Pourquoi? Tout simplement parce que. Il est plus petit, son petit. Non, c'est pas ça. 300 tonnes. C'est tout simplement plus petit, puis mieux. Une meilleure gestion, ce que j'ai remarqué en voyant ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est quand même assez faisable de même, une meilleure gestion, même si on a de la misère à voir les affaires. Mais sachez que ceci, c'est un jeu qui a été conçu, je sais pas trop quelle année, mais quand c'est minimum Windows XP, on s'entend que Windows XP c'est vieux. On s'entend. Puis vous faites attention, vous avez la version 32 bits et la version 64 bits. Moi j'ai la version 64 bits. Je l'ai fait essayer à mon père. Mais ça ne fonctionnait pas. Puis j'ai dû aller chercher la version 32 bits. Alors faites attention quand vous téléchargez, si vous téléchargez la bonne version. Sinon il va y avoir un message d'erreur. Peut-être le 32 bits fonctionne avec le 64 bits, mais le 64 bits ne fonctionne pas avec le 32 bits. Mais j'ai pas fait le test parce que j'avais déjà la bonne version, la 64 bits, dès le départ. Je vais juste vous dire ça comme ça. On voit que là, il y a du courrier. Lui, il n'y a pas de courrier encore parce qu'il s'est pas rendu au moins une fois. C'est ça la différence. Puis vous allez voir le réseau. Qu'est-ce que j'ai goût de faire là? C'est vraiment un gros réseau ferroviaire. J'ai hâte de m'amuser.
je pense à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu, qu'est-ce que ça a l'air, un réseau ferroviaire assez puissant. Je vais prendre des images d'une autre vidéo d'une personne. Que vous allez pouvoir voir que ça peut avoir de l'air quand même assez avancé. Pays riche, je vous le dis. Quelques milliards de dollars. Ça, je vous le dis. Ah, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi aller voir, pas aller voir, mais aller aussi sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est le bienvenu. Donc le lien est à la même place que le site internet. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OpenTTD. Parce que ça s'appelle de même. Je sais pas c'est quoi la signification de TTD, mais ça s'appelle de même. Alors pour ça je vous dis merci à tous.